La lumière est bien là? Là, ouais. Ça me paraît pas mal, ouais. Après, moi, mon boulot, je suis éclairagiste, donc forcément, c'est de gérer tous les projecteurs, qui ont chacun forcément une fonction. Et oui, elle est bien, parce qu'en fait, le JT, bah, c'est une émission récurrente, donc normalement, ça ne doit pas trop varier au cours de la saison, normalement. Après, selon le physique, la couleur de peau, de cheveux des gens, j'ai des petits réglages à affiner, mais grosso modo, ça reste la même tous les jours. Donc en fait, tu ne sers pas à grand-chose. Ouais, exactement. Non, on pourrait croire ça, mais après, c'est indispensable. Sans lumière, on fait pas grand-chose, voire rien. Si, on peut faire une image amateur, mais voilà quoi. Il y aura toujours une différence, j'espère, en tout cas, et je le crois, entre une image pro et une image plus amateur. Bon, en fait, pendant tout le journal, tu es pratiquement avec le présentateur, l'une des seules personnes qui soit vraiment là au contact. Ouais, maintenant, oui, parce que les caméras ont été robotisées. Donc maintenant, je suis la seule personne physique, en fait, le seul collègue qui est avec le présentateur. Alors, on a un petit rôle en plus, quoi. C'est un petit peu comme la maquilleuse. On sent un peu l'ambiance. Si le présentateur est un peu stressé, tendu, on essaye d'être souple avec ou de pouvoir l'aider. Plein de petits détails, le verre d'eau, le crayon, le petit mot sympa, voilà quoi, accueillir les invités si besoin, s'il y en a. Et puis après, moi, mon métier, forcément, je ne fais pas que ça, et heureusement, il y a plein d'autres choses à faire. Je peux être en équipe légère, en reportage, avec du matériel mobile. Je peux faire ce qu'on appelle de la vidéo mobile avec le CCR, c'est le quart de captation régionale. Donc là, c'est grosso modo, on a une régie en fait dans un camion mobile, forcément, et on est apte à faire n'importe quelle émission, entre parenthèses, une grosse émission, entre guillemets, pardon, un peu partout, dans la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc là, on arrive, il n'y a rien, et à nous de faire, de brancher l'électricité, bien sûr, et puis pour avoir du jus pour toutes les corporations, et puis après, on élabore un plan de feu qu'on appelle un plan lumière, pour pouvoir faire un truc propre un peu partout. Parce qu'on éclaire aussi dehors, en fait. Exactement, et là, on gère plus, on va dire, les contrastes.